Hop, voilà. Ah, on y retourne. On y retourne. Me voyez en train de. Vous me voyez en train de mastiquer le crâne, c'est débile. Ok. Je veux. On attend que AJ lance paisiblement le Game Ranger. Ouais. Du coup, faut lancer Game Ranger avant de lancer Common and Conquer, AJ. C'est vrai que, dit comme ça, ça a l'air vachement mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je suis d'accord. Ouais, parce que je vois au moins, j'ai lancé le jeu et c'est lancé sans encombre. Ouais. Au moins, ouais. Ça, j'ai envie de dire, ça a le mérite d'exister. Ouais. Ah, salut Régis. Mao, miaou. Miaou. Le voili, le voilou, le voilà. Alors, c'est à toi l'invité ou à moi? Attends, est-ce que ça marche avec moi? Invite to game, ça marche aussi. Le mot de passe, s'il vous plaît. Le mot de passe, c'est l'un des deux, celui que tu connais ou encore l'autre de Nancy. Bah, je vais essayer celui-là. C'est celui de Nancy. C'est pas Nancy, mais c'est celui de Nancy. Ah, ouais. Super, il a trouvé. Premier coup. Oui. Ah, tiens, en italique, AJ. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de connexion. Déjà, ça commence bien. Ouais, je le vois en italique. Ah, c'est le nez qui a écrit en italique. Ah merde. Bon, moi je vous vois en tout bien. D'accord, bah c'est tant mieux. Ok. On verra ce que ça donne en cours de jeu. Si ça marche pas, je vous laisserai tous les deux. Waiting for host. Juste. T'as mis le 4 tiers, je crois, le sage au lieu du 16-9ème. Ah, voilà. Voilà une remarque pertinente. Merci. Alors là, il faut bouger la souris comme d'habitude. Que le menu apparaisse. Oui, 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 oui. Voilà, ça lance de notre côté comme ça. Ouais, est-ce qu'il va me faire un truc? Multijoueur. Rizzo. Je vois Michel Beaujolais. Michel Beaujolais. Oui, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre le et. Michel Beaujolais. Bonsoir. Je vais essayer de te rejoindre. Join game. Et on va voir l'action de vérité. Je vais bien. Mettre dans l'équipe E. Comme ça, on sera bien. One. Team One. Je vais me mettre... À l'est ou à l'ouest? Je crois que le sage est à l'ouest. On fait quelle disposition? C'est-à-dire que je vais mettre devant. De gauche à droite. Enfin, soit à droite, soit à gauche. Voilà. Voilà, et puis hop. Alors, quelle couleur je prends? Bleu, rouge, vert, jaune, rouge. Allez, hop. Red, green, blue, comme l'écran. RGB. Bon, attends, je vais reprendre les blindés. Ça sera bien. Comme ça, on aura un petit peu de tout. Tank général. Vous connaissez ça, d'accord. Comme ça, on a un camp chacun, c'est bien. Bah oui, réglisse. Encore faut-il que ça fonctionne. Ouais, on va voir, on va voir. On va voir. Nous verrons bien. Alors, blindé et armé de l'air, d'accord. Atomique. Ok. Ah, t'es habillé dans une équipe différente en face, ok. Ça va être un gros bordel. Oui, y'en a un qui est tout seul. Ça va être un gros bordel, je vous le dis. Oh là là. Ça va être un gros bordel, monstre. Ça va être... Moi, je vais avoir le 7. Oh, le 7, c'est en facile, ça va. Oui, oui, oui. Mais c'est un gros bordel.
Ouais, c'est le bordel. Je suis prêt à que tu me parles. Alors, on va voir si ça marche dans quelques instants. C'est la seconde de vérité. Non, ça bug. Entre le sage et moi, ça bug. Ouais, votre barre de progression est un peu... Ouais, elle est bizarre. En duel, parce que moi, je suis à fond, je suis bien. Nickel. En trio, c'est la merde. C'est fou, ça. Ouais. Pourtant, on avait déjà réussi auparavant, mais je sais pas. Bien d'accord. Je ne sais pas du tout. Les mêmes versions et de Game Ranger et du jeu. Bah, quand vous jouez entre vous, ça marche. Quand je joue avec AJ, ça marche. Quand toi et moi, le sage, on joue, ça marche. Mais dès qu'on est trois, bim. Mmh. Bon, bah, c'est plié. T'as un écran noir, moi j'ai un écran de chargement. Oui, moi j'ai un écran de chargement. J'ai fondu entrant, mais il est tellement mou. Moi ça m'a mis connexion internet, je sais pas quoi là. Ah. Ok, bah je vais vous laisser jouer. Alors attends, je vais faire Alt-F4. J'ai coupé le jeu. Alors si j'ai réagrandi un coup. On va voir. Alors c'est pas vous hein, c'est moi qui ai l'ordi ralenti, c'est le jeu qui devient fou en 3 multi là. Voilà, menu de déconnexion internet, le menu que tu veux pas voir. Voilà, ok, bah ouais, on va pas se battre pendant 20 plombes, je vais vous laisser jouer tous les deux. Voilà, sauvegarder la rediff, je fus très court. Mais pas bon du tout, voilà. Ça, c'est un nom de rediff. C'est très con. Alors, est-ce que je te vois, Michel Beaujolais, là ? Non, faut que je... Attends, je vais essayer de rejoindre comme ça. Ah non. Faut que tu retournes sur Game Ranger et que tu relances le jeu, tout ça. Voilà. Non, il n'y a pas besoin de retourner sur Game Ranger. Bon, c'est pas grave, j'avais une méthode. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais moi, je pouvais pas rejoindre en cours. Bah... Ah oui, parce que t'avais quitté le jeu, ok. Ouais. Moins simple. Restons dans la cité. Oh, c'est pas bon. Quand il clignote comme ça, il est pas content. Ah, il est pas content. Retourne à faire des appels de ça. Il est pas content dans les dents. Un peu de la flotte à la murmurtier. Waiting for host. Comme d'habitude, le sage, bouger la souris, c'est magique. Voilà. Alors là, on va être moins nombreux. Allez, on va se faire une gentillette. Général armée de l'air USA. USA, USA. Bonjour. Je m'appelle Michel Beaujolais. Au niveau expérience, croyez-moi qu'il y ait de la bouteille. Général armée de l'air pour le compte de l'armée de l'air américaine. Yay. Alors là-bas, on m'appelle Michael Beaujolais, mais... Bah, il va prendre ses positions, le Michael Beaujolais, parce que là, on sait pas où il est sur le terrain de guerre. J'espère qu'il va envoyer son plus beau millésime, là. On veut que ça patate. Un petit champagne Dom Pérignon. Ah oui, alors. Yes, we play. Yay. Allons trinquer pour notre victoire avant même que la guerre commence. On n'est pas dans la même équipe, vous n'êtes pas dans la même équipe les gars, et vous n'êtes pas mieux positionné. J'ai oublié de regarder. Les équipes, j'ai pensé, j'ai fait retour, j'ai fait non, je refuse. C'est pas faux.
Et tu te mets où sur la carte? Oui, il faut que je fasse la position. Quelque part, attends. Bah moi je suis 1, je suis le numéro 1 à l'angle en haut à gauche. Tiens. Mais il est fou, ce garçon est fou. Ah le jeu. Blablabla. En fait à chaque fois que je fais retour, il me fait quitter la partie, c'est pour ça. Ah. Putain mais... Non attends. C'est moi qui veuille. Attends. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oublie l'équipe. N'oublie pas l'équipe. Voilà, super. Là, là, ça marche mieux déjà. Bah, moi, je suis aussi en duo avec Nayonet. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec toi. Bon, certes, j'ai j'aurais fait un peu plus loin que Nancy, mais bon. Oui, bon. La magie de l'internet veut que. Oui. Le sage commence avec ses buts aux herbes à faire tomber deux arbres à la fin de la partie commencée. Ouais, vive la déforestation! Un bel emplacement. 3, allez, blanc, dans ses dents. Je bâtis l'empire du milieu. La Chine a été généreuse. La Chine va s'agrandir. Oui, tiens, question, comme t'es auprès souvent de Bastos, je me permets de t'interroger, AJ. Moi, je partais de la... Enfin, je présume que s'il n'est pas trop cassé du boulot, il va nous faire un premier débrief de catch demain soir, non? Puisqu'il est en congé le vendredi, normalement, Bastos. Alors ça, je sais pas exactement, mais oui, c'est prévu de faire un... Ce sera très bon. Un débrief, ouais. Un débrief, hein. Je sais pas encore quand, mais c'est prévu, hein. C'est dans les plans. C'est un bon choix. Ayant fait moi-même un live react hein, pendant le show. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Sortez l'échafaudage. Oh, c'est beau, c'est la muraille de Chine. Le bâtiment est construit, construction dans les normes. Un petit chantier de construction? Bah ouais, allez. Un boulot pour moi. La Chine va s'agrandir. La Chine a été généreuse. La Chine a été généreuse. Besoin d'une livraison? Yeah. Caserne. C'est un bon choix. Je me ferai un petit radar, espèce de voir dans quoi j'ai voulu. Non, je pense que là, je me la jouais pépère Chine en attaque aérienne et ogive nucléaire. Comme j'ai fait au sol tout à l'heure. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Amélioration achevée. Construit pour la Chine. Excellente idée, général. Nous vivrons dans la prospérité. Ce sera très beau une fois fini. Ra ra Rasputin, lover of the Russian Queen. Chasseur tactique au rapport. Ça part en chanson. Chasseur tactique au rapport. Construction dans les normes. Alors, l'avantage de pouvoir observer la partie in-game, c'est qu'on peut bouger la caméra, mais quand on est en mode Twitch, je peux juste me fier à ce que je vois sur ton écran, en fait, le sage. Mais ça part bien gentiment, en mode facile, il y a pas de souci à se faire. Construction terminée. Bon, niveau énergie, je suis large. Avion en attente. Les avions. Ranger. Je vais mettre en défense. Nous avons un projet. Je construis pour la prochaine livraison. Ah oui, c'est plus sur le bas. Oui. Mig en vol. Nous défendrons ce secteur aérien.
Ah. Ah merde. Ah oui, je me souviens plus que je pouvais zoomer comme ça. Oui, il est beau, mais peut-être t'arrêter. Ah, il est beau, hein. Blindage supplémentaire terminé. Alors, pour la Chine. Mon économie, je l'ai mal géré. Ah, quand j'ai trouvé la réponse du problème de réseau, c'est peut-être ça. Ah. Donc. Bon, après, on peut être parti tranquillement, on verra après si on a le temps. Nous vivrons dans la prospérité. J'ai la défense et j'ai la défense. Bel emplacement. Nous avons de grands projets. Encore deux aéroports. Enfin, aérodrome plutôt. Militaire. Réglez-vous sur la fréquence de l'ennemi. Vous entendez quelque chose ? Alors... Partissons. Réfléchissons. Chantier terminé, chef. La Chine a été généreuse. Bâtiment déjà construit. Je construis pour la Chine. Ah oui. Amélioration achevée. D'abord faire mes technopirates pour faire ma technologie de fric et après paisiblement je fais les avions d'attaque puisque j'ai sur la défense. Batterie chargée, je rejoins la prochaine liaison. Câble de liaison branché. Installé ici. La Chine a été généreuse. Je construis pour la Chine. C'est un bon début. Nous avons de grands projets. Je pensais pas avoir Oui. Mais... Nous vivrons dans la prospérité. Ah oui, ils sont vraiment liés, ils sont chers. Je suis en train de faire danser à Macarena, la danse des laines. C'était pas ce que je voulais. Alors, AJ, tu t'en sors? Je m'en sors tranquillement. Il y a toujours moyen d'entrer. Batterie chargée, instruction bien reçue. Ça ici, bon, j'ai mon nombre de techniques. Hein. Mais c'est chiant ça, je veux plus qu'elle apparaisse là, la barre. Attends. Voilà.
Mais je suis Beaujolais. Ah ouais, il y a déjà de l'animation chez toi. Ouais. Est-ce que je m'absente, je reviens dans 5 petites minutes. Mais pas de soucis. Yana. Fais ce qui te plaît. Pouk. Ah non, il n'y a rien à faire. Hein. Il veut pas que j'ai le... Ah, j'ai cliqué sur la carte. Ouais, moi après. Ou alors, ouais, je fais la lotus noire. Ça peut être un bon choix aussi. La miche lotus noire. Ah oui, ils viennent par paire. Alors attends, non, attends. Contre ordre. Je dis d'abord un MIG. Ça va m'arranger. Oh, magnifique les châteaux. J'avais pas vu qu'ils avaient modélisé. Je me souviens pas qu'ils avaient modélisé des châteaux dans Command & Conquer. Ouais, sur cette map là, il y en a. C'est beau. C'est beau. Voilà, et là j'ai mon escouade d'attaque du ciel. 4 en défense, 4 en défense. Et j'ai ma souris qui fait grève. Eh génial, j'ai ma souris qui fait grève, je peux sélectionner l'unité, je sais pas pourquoi. Bah alors. Non, elle veut plus. Ah. C'est pas chiant du tout. Ah. Alors lui. Merde, non, merde, non, il va se faire buter. Moi je cours. Non. Ah, il s'est fait abattre, c'est scandaleux. C'est scandaleux in the morning. Ouais. Oh merde, j'ai perdu un avion de chasse, bordel. Ils m'ont abattu un avion, les salauds. Ah, même deux. Mais non. Mais que signifie? Mais ils vont me coûter cher, les salopios. Me revoilou. Ah, les casse-bonbons. Oh non, j'ai perdu mon unité de défense. Ah bah merde. Merde. Bah, donc normalement, ça devrait marcher. Mais ah, oh, il me sélectionne trop d'unités en même temps. Là, je peux plus rien faire. C'est ingérable, les gars. Non. Merci. Allez, on va dire que c'est les deux, tant pis, je vais changer de mon fusil d'épaule, comme on dit. Attends, je vais me mettre en défense en attendant. Parce que j'ai des trucs qui vont pas. Là, on est d'accord, tout le monde est là. Ah, Lotus Noir, elle va devenir l'unité numéro 5. L'unité que j'ai envoyée là-bas. Un avion violet qui va regretter d'être passé par chez moi. Yeah. Il a pas eu le temps de passer la frontière, on voit bien. Nierf. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui seraient intéressés d'avoir le jeu, sachez-le qu'il est en abandonware. Et c'est d'autant plus un excellent jeu qu'il a eu des extensions. Alors, si vous ne voulez pas jouer en multi, vous pouvez toujours jouer en solo. Et en solo, croyez-moi qu'il va vous tenir pendant des heures, mais des heures de jeu.
avec l'extension, c'est absolument génial. À l'époque, je l'avais fait, je m'étais éclaté, mais j'étais... Oh, le bonheur, j'ai passé des week-ends merveilleux. Et un éditeur de cartes, que vous pouvez scripter vos cartes, c'est-à-dire programmer des événements de manœuvre en fonction des conditions. Genre, un bâtiment est détruit, vous pouvez dire qu'il y a une division de 4 blindés qui apparaissent depuis le sud et qui viennent défendre le terrain, machin, vous pouvez faire plein de trucs. Ce jeu est génial. Alors, il est disponible dans Abandonware, plus trop, parce que maintenant il est disponible sur Steam pour toute la collection des Command & Conquer, dont celui-ci, est à prix normal à 20€ et en solde c'est 10€. Ah, alors je suis intrigué. Est-ce que t'as vu, j'ai pas vérifié. Chez Abandonware, ils ont retiré le téléchargement ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est en vente sur Steam. Mmh. Ouais, tu fais bien de le préciser. Mais je vais vérifier, tiens. Ouais, c'est intéressant de vérifier, s'il te plaît. Ouais. Comme je pars du principe qu'ils l'ont... Une fois qu'il est commercialisé, ils l'enlèvent. Mmh. Le sage, t'as capturé les bâtiments au centre, là? Non. Je commence à peine la capture des bâtiments, EJ. N'hésite pas à le faire. Ouais. Fais-toi plaisir. Il est disponible encore sur Abandonware France, ouais. Mais ils n'ont pas actualisé la page. Bah, bon entendeur, salut, comme on dit. Je me répéterai pas, mais vous avez l'info. Ah, quand je vais sur le téléchargement du jeu, ce jeu n'est pas un abandonware. C'est fini. Il y a les patchs. Oui. De l'intérêt de garder l'ISO. Donc, si vous voulez le télécharger, ça va être lourd, enfin difficile. Alors tu es. Oh là, il y a un vide d'avion là, je fasse le sage. Vi. Ah, fais gaffe, ça arrive chez toi, le sage. Je vois ça. Est-ce que l'habillage de chaîne, tu le vois là où tu joues, le sage? Non. C'est-à-dire que tu le vois sur la. Non, d'accord. Le moment où je joue à mon habillage de chaîne, en fait, c'est quand je vous fais de la PlayStation. Enfin, un truc qui est extérieur à mon ordi. Là, je le vois. Je dois le subir. D'accord. Mais quand c'est du PC, je vois pas du tout ce qui se passe. C'est pour ça que je me répète, il est important pour un diffuseur d'avoir toujours le retour de son public. Ça peut paraître bizarre quand on est spectateur et qu'un diffuseur vous affirme qu'il est à l'aveugle quand il diffuse, mais croyez-le ou non, un diffuseur sera toujours attentif à ce que son public va lui dire en disant « Oh, il y a ça qui merde. » Quand vous diffusez sur, que ce soit Twitch, YouTube, ce que vous voulez, le diffuseur est à l'aveugle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais pour en venir à ta question initiale, Nayonet, non, je vois mon interface, je la subis lorsque je fais des périphériques extérieurs, en fait, tout ce qui est console, puisque je dois m'accaparer la capture, et de facto, pour l'avoir en plein écran, bah, je demande d'avoir en même temps l'habillage de la chaîne que je vous envoie. Et sinon, les jeux PC, je vois que Quick, moi je vois juste mon écran de jeu. Bah, le double écran, c'est différent, ça n'a rien à voir, Twinsen. Tu verras les inconvénients quand tu vas te mettre à diffuser. Tu vas voir à quel point tu vas être limité, il y a des trucs où tu vas être frustré, et à ma connaissance, il n'y a pas d'alternative. Pip, 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 pip.
Message subliminal. Alors, Réglisse, tu dis plus rien, Réglisse ? Il dit plus rien, Réglisse. Il dit plus rien, Réglisse. Réfléchissons. Bon, allez, j'avais dit que je ferais mon petit missile nucléaire. To the go. Oui, donc l'écran sort avec une scène. Une scène Discord. Mmh. Twitch, pardon. Oh, les compétences générales étaient débloquées. Et oh, sélection de camion, de ravitaillement, bordeloum. Ah, c'est bien, tu veux faire mieux avec ton canon en particule, et déjà bien. C'est bien, c'est bien. Il y a du grabuge devant chez moi. Enfin, c'est du gentil grabuge, mais il y a du monde qui passe. T'inquiète, je m'en occupe. Ouais. Youpi, youpi. Youpi, pipi. Pa, 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 da, pa, pam. Pa, pa, da, pa, pam, pam, pam. Tranquillou, peinard. Peinard et pépouze. Ah, j'ai un lotus noir. Lotus noir qui peut faire du bambolo. Lotus noir. Tiens, lotus noir que je vais envoyer espionner. Elle va partir espionner le monde. Moi, j'attends d'être général niveau 3, qui est des trucs vraiment intéressants à déverrouiller. Non, pour moi, il n'y aura pas d'autre partie, là. Il est déjà 17h30. Ouais. Désolé, bon, ça sera une autre poêle. Oui. On arrêterait de se faire des trucs à 3. Bah, peut-être éventuellement vendredi. Vendredi, je suis... Oui, vendredi. Journée. Alors, attends... Je reviens. Oui, fais donc. Ah, vendredi, je resterai ouvert aux parties multi. J'espère en faire une avec au moins une de, avec Torota de Street of Rage. Ça me tient vraiment à cœur. Parce que je rigole beaucoup avec Torota sur ce jeu-là. Ouais. Non, ils m'ont caché mes avions de chasse. Ouais. J'avais pas vu que j'en avais pu. Allez, vas-y, défends-toi. Wouah, tout est mort. Il y a eu une énorme explosion. Oh mon dieu. Tout est mort. Tout est mort. Ouais, un petit empereur et puis... Ouais, après je peux faire ouais, des Gatling aussi. Je cherche ça. Ouais, il n'a pas canon. Les petits n'ont pas canon. Alors vendredi c'est possible, vendredi après midi.
Ouais. Oui, bah vous mettez le grappin dessus hein, quand je suis en direct, vous connaissez la méthode, et puis vous manifestez à moi en me disant « Oh, le chat, je veux faire ci, faire ça. » Je vous dis oui ou non, il n'y a pas de souci. Alors, je t'en ai une. Il y a même un cimetière, je me souviens même plus qu'il y avait un cimetière de modéliser. D'ailleurs, de ces trucs à droite et à gauche. Ah non, pas tant que ça. À la baie, il y a un Derek, je pense qu'il a été pris le Derek. L'inverse me surprendrait. Ton canon à particules est prêt, Jay. Tu peux faire mes muses avec. Tout à fait. Voilà, donc le vendredi après-midi, ça sera possible. Eh ben, c'est cool. C'est cool. As-tu fait un missile nucléaire, le sage, parce que je vois pas si t'en as fait. Alors, oui, il est sur le côté. Je l'ai mis complètement à gauche. Mon site nucléaire. Là, il est hors écran. Il est là. D'ailleurs, je veux dire que mes MIG balancent des bombinettes qui font bien mal. Voilà, du coup, le canon. Ah, Dieu, quelqu'un me fait un relais de chaîne. C'est adorable. Qui sème ? Il n'a pas canon. Attends, c'est quoi ? C'est quoi que j'ai commandé ? Il n'a pas canon. Ah, nucléo canon. Non, attends, peut-être pas. Je vais peut-être me limiter à ça. Bonjour, petit Seb. Merci. Ah, tu files en lurk. Merci, c'est très gentil, petit Seb. Merci tout plein. A plus, à plus. Petit Seb. Oui, petit Seb qui, je crois que oui, était avec Christella à faire du Metal Slug. C'est bien, vous êtes fait 2 heures de Metal Slug. Oula, on t'a entendu boire. Non, j'ai reniflé, pardon. J'ai reniflé. Ah bon, c'était reniflé. On aurait dit que tu buvais de la soupe. Waouh, trop bizarre le son, ASMR. Mais merci tout plein, petit Seb. C'est cool, c'est gentil. Il vient des Alpes suisses. C'est le bon copain. Merci. Vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Petit Seb assure un relais. Il y a une superposition de son, du coup. Bonjour, et superposition d'overlay. J'espère que tu vas bien. Bah oui, voilà. Maintenant, les VIP, tu vois, ça fait partie des nouveautés. Les VIP vont avoir des sons attribués. Et ça, c'est le tien. C'est celui que je t'ai fait. Mais tu vois, il a été écrasé par le relais de chaîne. T'es arrivé en même temps. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Et c'est là où je me faisais mon autocritique. Je disais, tu vas me corriger. Tu vas me dire, mais non, je ne suis pas dans les Alpes. Mais bien en Suisse. Parce que toute la Suisse n'est pas dans les Alpes suisses. Il y a des parties en plaine, hors montagne que je sache en Suisse. Surtout du côté est, si j'ai pas de bêtises, dans la géographie suisse. Alors, dans Euro Truck Simulator, ils ont refait les routes de Suisse. Effectivement, je sais pas si c'est vrai, mais ils ont fait des routes où c'est assez plat. Mmh. Oui, tout n'est pas montagneux en Suisse, faut pas déconner. En parlant toujours de la Suisse, je disais aussi, pas plus tard que ce matin, avec le jeu de rallye, que le Rhin prenait sa source dans en Suisse. Le Rhin naît dans les Alpes suisses. Oui. Ça fait que la Suisse peut couper l'eau à Strasbourg. Complètement, ouais. Que je sache, ouais, c'est comme ça. Après, même s'il coupe l'eau, après ça sera plus des montagnes, la Suisse ça sera un lac. Ouais. Ah là 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 là. Allez, zou. J'appuie Jack qui attaque l'ennemi. Après son laser, moi je balance une pluie de bombes atomiques.
Ah. Je suis dans le Jura suisse. C'est intéressant. Ah, ah merde, il y en a qui m'appellent. Excusez-moi. Oui. Bonjour à toi, Saul Goodman. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut, Réglisse ? Ça va bien sur le Gunnar. Je vais bien pour ma part. Ouais. Ouais. Les fameux. Ah non, non. Ah, oh, il a failli défoncer le fil du casque, le chat. Je vais faire un truc. Je débranche parce que le truc s'est complètement entortillé. Je l'ai débranché quelques instants. Me revoilà. Yes. Et l'enfer, les câbles de micro-casque avec un truc en plastique autocollant, là, c'est pas terrible. C'est un plastique, c'est plus du tressé. Le tressé, c'est bien mieux, ça s'emmêle pas autant et c'est plus facile à démêler. Là, ça tourne et en plus, c'est emmêlé à fond. Ça fait des boucles. Et ce qui fait que j'ai l'écran collé à l'écran, j'ai la tête collée à l'écran parce que le câble s'est raccourci. Ah oui, je vois. Et après, c'est fait cinétose et vomi sur le clavier. Si tu veux, je sais pas si le message est revenu. Le message est au téléphone, encore. Ah oui, ok. Oh, les deux chaînes. Christella, ouais, bravo. Alors, le sage est au téléphone, hein, mais bienvenue au raider du relais de chaîne. Bienvenue tout le monde. Ah, il a lancé son missile nucléaire. Attention, notre allié a lancé son missile nucléaire. Notre missile nucléaire a explosé. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Merci Christella. Oui, merci pour le relais de chaîne. Oui, j'espère que ton Metaslog s'est bien passé. Mais voilà, t'es arrivé au moment où je décrochais le téléphone. Un petit appel familial pour des nouvelles, donc c'est cool. Merci, l'acte de fidélité Fabellion, bienvenue. Je fais ça de manière complètement décousue, le direct, vraiment baba cool. Ah oui, je voulais capturer le Derrick. Du coup, je suis même plus où j'en suis, j'ai cassé mon rythme de bataille, moi.
Shiro Bajau. Bonsoir, Seigneur Douglas. Oh, Seigneur Douglas, bonsoir. Ah là 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 là, comment qu'il y va? Oui, moi ça va bien, Saul Goodman, t'avais la gentillesse de demander poliment comment ça va. Moi ça va bien, merci. Oui, c'est bien que toi t'allais super. C'est cool, c'est cool. Mickey, Mickey. Oh mon dieu, chez Boxer. Oh là, tout ce fric qui arrive. Oui. Moi, je suis blindé. Hein. Ah bah bien, bravo. Et ça, j'ai pas mal blindé, il a 38 000 dollars là. Ouais. Je suis à 58 000. Ok. Wow. Attends, moi, j'envoie un avion avec les bombinettes. Les bombinettes de confetti. Ah oui. Tiens, en parlant de bombinettes. Bombinettes. Ouais, très bien, c'est cool, Seigneur Douglas. Oh, je pilote une Honda de ton garage. Honda Integra. Bien joué, bien joué. Non, bah merci d'avoir pensé à moi pour la relais de chaîne. Bah, je suis presque pour en déduire qu'il n'y a pas grand monde, puisque d'avoir à la fois le relais de chaîne de petit Seb et de Christella, je me dis que dans notre groupe de copains, j'ai quasiment l'exclusivité de la diffusion. Si je me trompe, vous me corrigez, mais... Nous sommes 8 sur ta chaîne. Il y a 8 téléspectateurs, cyberspectateurs. Ouais, du coup, il y en a combien qui diffusent maintenant de nos groupes de copains? J'ai l'impression que je suis le seul à diffuser là maintenant. Oui, 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 ouais. Ouais. Je vois tout. Ouais. Je suis. Ouais. Ouf. Tapis de bombinette. Ouais, on l'a vu. Ah, t'as visé entre les deux, mais ça fait mal, c'est des gros. Ouais, ils lancent des bombes nucléaires. Hein. Ouais, je me débrouille ouais. Là, artillerie. Je me déverrouille la théorie. C'est vrai qu'il y a un petit délai en multijoueur. Ouais. Ah, Solka, une lamproie de rivière. Yeah. Oui, on a fini tôt. Petit Seb devait partir de suite. Ah oui. Moi, j'écoute, je regarde pas, dit une scène. Il est en mode radio. Ouais, du coup, ça vous a fait 2 heures de slug. Ouais, mais il est assez intense, le Metal Slug, je pense. Le Metal Slug. Mmh. C'est comme l'équivalent, c'est le Broforce. Ça bouffe pas mal d'énergie, de concentration. Ah, Slug, je l'ai en plus. Mm-hmm. Metal Slug. Mais j'ai toujours pas fait. Moi, je pars. On a fini, plutôt. Tu sais, devait partir de suite. Ok. Mm. Sacré petit Cheb. Wow, oh, mais ça pète de partout ton truc! Oui, c'est beau! Soin et lumière! Enfin, moi, il n'y a plus le son, bim. C'est coupé, mais c'est pas grave. C'est plus calme, c'est reposant. Ah. Alors, les avions de chasse. Wouah, Jay, oui, belle attaque! Ouch! J'ai pas mal de. Voilà, bisous! Ça part. Ah. Au revoir. Au revoir. Bah, je me demande si on n'a pas gagné, non? Ah non, il reste l'autre ennemi là-bas. Au loin. Il reste, non, passerait. Envie alors. Alors, hop. Le lotus noir va passer en ninja. On va aller espionner l'ennemi. J'aime bien cette carte de jeu parce qu'elle prolonge la durée de la partie du jeu, surtout quand tu mets plusieurs ennemis à la suite. Mmh. Comme ils ont chacun leur. Comme d'un certain moment, même en difficile, l'ennemi s'essouffle. Mmh. Là, ça dure un peu plus longtemps, donc c'est cool. T'as une sorte de progression de l'est à l'ouest ou de l'est ou de l'ouest vers l'est et c'est sympa. Est ouest ou ouest ouest est ouais. Mmh.
Ah oui, ils ont leur centre. Ouh, ça grille. Tu sais que tu peux... les jets, tu sais que tu peux bouger ton canon à particules. Ah ouais. Oui, ouais, tu peux lancé, le... Tu peux le rendre... Tu peux le diriger, ouais. Alors, je sais pas si c'est clic droit ou clic gauche, mais ça marche. Mm. Il faut... Ça dépend comment t'as configuré ta souris. Comme ça, tu peux, s'il y a plusieurs petits bâtiments, une ligne de 5 bâtiments de défense, hop, tu les grilles tous et tu passes avec ton armée ensuite. Mais si tu piques le centre internet, est-ce que les autres, ils sont convertis aussi? Attends, je crois qu'elle est essoufflée là, ou alors elle peut pas, peut-être. Ah, si, y a peut-être une elle peut pas, ouais. Ouais, ça serait abusé. Internet, je crois qu'elle est pas loin. Ils se protègent contre les pirates informatiques Super Lotus, elle peut pas les savoir. Le tapis de bombe arrive. Ouais. La fête est risquée, là, il y a un bonhomme qui arrive. Ouf. Oh le bordel. Ou alors je lui dis de pirater carrément le centre de l'ennemi. Avec quelques avions, bam, tu crames tout. Ouais, je pourrais honnêtement. Ouf, les mecs qui atterrissent au sol, qui viennent de retomber comme des caca. T'as écrasé l'ennemi comme un caca. Mais c'est sale. C'est sale. Je te laisse attaquer ton ennemi. Parce que moi j'en ai détruit deux donc. Non, mais en fait, c'est très bête parce que moi au début je voulais attaquer celui du fond, le rose. Parce que j'avais complètement oublié qu'il y en avait un avant. Je me suis dit, bon bah autant faire une pierre de goût. Hein. Je partage, tu vois. Et j'ai ce qu'il faut pour t'appuyer. Ouais, merci. Moi, je m'en fais pas trop. Ah, tu captures les bâtiments. Ouais, j'aime bien. Ah, écoute, tu piques pas carrément la thune dans le bâtiment, le sage? Ouais, je vois carrément le bâtiment. Direct. Et ensuite, tu le revends. Tu les captures pour mieux les détruire. Ah oui. Bah tiens, je vais t'appuyer. Pardon. Fais gaffe, ne bouge pas. On le prendra pour la Chine. Ne bouge pas, c'est trop tard, c'est fait. Non mais... Ouais, là t'es à bonne distance. Ça devrait arriver... Ouais, les deux, ils arrivent là. Ça, je fais des girées. Oui, c'est long. C'est long, mais t'inquiète pas. Au pire, j'ai d'autres joujoux qui se pointent, là. Le bombardier nucléaire et la t'inquiète pas. L'artillerie, ouais. Là, j'ai deux avions à 10, là. Deux bombardiers à 10. Ouais. J'ai un... Regarde, là, il y a un avion. Hop. Parachutage. Oups. Ouais. Les deux bombardiers juste après. Et là, Lotus Noir qui se précipite vers les mecs. Oh, nouveau boys band. Je suis déjà fan. Un autographe, s'il vous plaît. Le gros bordel. Le mec qui a rien compris. Tu vas attaquer ton propre bâtiment, le sage, au lieu de le vendre. C'est original. Exactement. Je suis fou. Chargeur auto, on accroît la cadence de tir des maîtres de guerre. Oh, je ne sais même plus qu'on pouvait faire ça, dis donc. C'est juste que tu vois si le stage a balancé son artillerie, l'icône d'artillerie sur le bâtiment qu'il a visé ou pas.
Il me semble que oui, hein, il l'a utilisé. Ouais, vous avez gagné. Yes, c'est applaudi. Ouais, le jeu a craché. Bravo. Oui, oui. Ah, you ah le jeu a craché. Encounter de Serious Error. Merci les gars, franchement. Des gros bisous. Ouais, ouais, merci Edge, c'était cool. C'est énorme. En fait, j'ai bombardé ma propre partie. J'avais encore plus loin que ça. C'est ça. Je vous laisse philosopher où j'avais 4 heures. Comme au bac. Mais c'est cool, merci.